Voici une figure qui contient trois droites. Je sais que les droites D1 et D2 sont parallèles. Je sais aussi que la droite D est perpendiculaire à la droite D1. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que je peux en déduire pour les droites D et D2? Nous allons constater une propriété. Je déplace la figure et je constate que la droite D et la droite D2 sont tout le temps perpendiculaires. Alors, nous allons admettre cette propriété. Je vais rédiger de la façon suivante. J'en déduis que D est perpendiculaire à D2. On généralise cette propriété en utilisant cette phrase. Si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à l'une d'elles, alors cette troisième droite est aussi perpendiculaire à l'autre. Regardons sur la figure. Si deux droites sont parallèles, voilà, les deux droites en noir, et qu'une troisième droite, la droite D, est perpendiculaire à l'une d'elles, alors elle est aussi perpendiculaire à la deuxième.